Welcome to the RightsCon studio. I'm Melissa Chan, and we're in conversation the next 30 minutes with Shaki Gadès. Shaki Gadès is the president of the Tunisian National Authority for Protection of Personal Data and an expert on public law and information and communications technology law. He is a graduate of the Tunisian University in Public Law and International Academy of Constitutional Law, and is also the Secretary General of the Tunisian Association of Constitutional Law. He'll be in conversation with Estelle Massé and Sherif Elhadi. This conversation will take place in French. Estelle Massé is Europe Legislative Manager and Global Data Protection Lead at Access Now, and Sherif Elhadi is Access Now's MENA Policy Analyst. They'll be discussing international best practices with regards to personal data protection, Tunisia's role in the fast-moving landscape, and challenges linked to ID administration and unique ID in the Global South. Access Now team, over to you. Thank you, Melissa. Welcome everyone, and for our English-speaking viewers, you can follow the subtitles here because I'm going to switch to French. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir avec ma collègue Estelle, en compagnie de Monsieur Shaki Gadès, comme l'a annoncé Melissa, président de l'instance nationale de protection des données personnelles en Tunisie, et aussi président de l'Association francophone des autorités de données personnelles depuis septembre 2019. J'aurai l'honneur et le plaisir d'interviewer M. Gadès avec ma collègue Estelle, qui est notre leader en matière de protection des données. Et moi-même, je suis l'analyste des politiques pour la région MENA, pour Access Now. Monsieur Gadès, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Bienvenue Estelle. Et je pense qu'on peut directement commencer par une question globale, mais très importante. Monsieur Gadès, après toutes ces années passées en matière de protection des données personnelles, à la tête de l'instance de protection des données personnelles en Tunisie, et puis à la tête de l'AFADP, quelle est votre évaluation de l'état des lieux concernant la protection des données personnelles dans les pays du Sud en général, et peut-être aussi en comparaison avec ce qui se passe dans les pays du Nord, qu'on dit pays développés? Hein, c'est une bonne question, indiscutablement. Dire quelle est l'évaluation générale, je dirais qu'en ce qui concerne les pays du Sud, généralement on dit du Sud de la Méditerranée, en ce qui nous concerne, c'est généralement des pays qui se mettent depuis quelques années à la protection des données. Nous, en Tunisie, on a été relativement précurseurs dans la région, puisqu'on a été les premiers en Afrique et dans le monde arabe à se mettre à la protection des données. Mais il est indiscutable que beaucoup de pays nous suivent. On a un réseau africain, par exemple, qui est très actif actuellement. L'idée est de pouvoir mettre en place cette culture de la protection qui est un peu plus difficile que d'édicter un texte, parce que les textes, on les voit paraître un peu partout sur le continent, même dans le monde arabe. On vient d'avoir un texte en Égypte, il y a un texte en Algérie depuis quelques années. Bien sûr, le Maroc et la Tunisie sont depuis quelques années, en tout cas, installés dans cette protection. Mais pour le reste de cette région-là, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et même quand il y a les textes, il y a encore un décalage entre le corpus juridique qui institue cette protection et la culture d'une manière générale de la société et des décideurs en particulier concernant ces questions. Par rapport à l'Europe, bien sûr, par rapport au Nord, il ne faudra pas oublier qu'ils ont quand même, que le Nord a 40 ans d'avance sur ces questions-là et que l'on ne peut pas, avec une baguette magique, les rattraper très très rapidement. Et donc, on fait tout pour ça. On travaille là-dessus, c'est quelque chose d'assez évident. Moi, je préside cette association des autorités francophones, et c'est vrai que dans cette autorité, on a des Canadiens, on a des Français, on a en tout cas des Suisses, la représentation grecque aussi, mais on a aussi le plus grand nombre vient du sud de la Méditerranée, et là, on voit bien sûr les différences qu'il y a entre ces deux espaces, et c'est, je trouve, tout à fait normal. Je pense que le plus important, c'est de prendre conscience de l'impératif de se mettre à la protection et de travailler dessus. Et c'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr, avec tous les moyens disponibles. Vous parlez de la différence culturelle un petit peu dans l'approche de la question des protections des données entre les différents pays, les différentes autorités et de l'importance d'instaurer
d'instaurer cette culture. On sait que dans beaucoup de conversations, que ce soit au nord ou au sud, les questions, les enjeux économiques sont très importants aussi quand ces questions viennent à être abordées. Quel est votre regard sur l'importance de ces enjeux économiques et est-ce que vous pensez que c'est un frein ou un potentiel à justement instaurer cette culture de la protection des données et comment s'assurer que cette question est aussi un élément de droits fondamentaux, par exemple ? Premièrement, il faudra commencer par dire, puisque vous avez mis le doigt dessus, quand vous parlez de l'Afrique, par exemple, vous savez, les gens ne se rendent pas compte de cela, mais pour montrer la différence dans les cultures, vous avez en Europe l'article 8 de la Charte européenne des droits de l'homme qui parle du respect de la vie privée, et alors vous ne trouverez pas un article similaire dans la Charte africaine. Il n'est pas question de vie privée dans l'espace africain, parce que ce n'est pas dans la culture africaine d'une manière générale, de parler de la vie privée. Donc c'est quelque chose de relativement nouveau, indiscutablement. Mais aujourd'hui, quand tout le monde se met à la digitalisation, quand tout le monde se met au numérique, quand tout le monde discute comme nous avec tous les nouveaux moyens de communication qui collectent une masse énorme de données, et donc du big data, ce n'est plus une question de choix. Il faut se protéger, il faut protéger ses citoyens et il faut que les personnes elles-mêmes puissent être conscientes et développer cette culture pour pouvoir se protéger contre les abus qu'on constate donc à travers ces utilisations qui sont tout à fait normales, mais qui devraient être canalisées et indiscutablement. Alors, l'intérêt de toutes ces questions-là sur le plan économique, je pense qu'on n'a pas à en parler, c'est tellement évident. Mais si vous voulez, bien sûr, est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui vivre en autarcie, de pouvoir se dire que toutes ces questions-là, c'est des choses qui nous viennent de l'étranger, que ça ne nous concerne pas, que ça n'a pas d'impact sur nous. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'économie moderne sans travailler sur le numérique, indiscutablement. Et tous les États du monde ont cette préoccupation. Comment est-ce qu'on peut s'approprier toutes ces technologies modernes aujourd'hui, mais aussi en préservant, je dirais, mais je pèse très bien mes mots, en préservant premièrement et surtout la dignité de l'être humain. C'est ça, nous on le dit souvent avec ce slogan ou avec cette terminologie, on est protecteur des droits et on veille, et c'est écrit dans la Convention 108 du Conseil de l'Europe, c'est écrit dans la loi tunisienne, dans l'article 1er, nous, notre mission, c'est de préserver et de protéger la dignité d'un être humain. Il faudrait qu'à travers tous les traitements qu'on fait de ces informations qui le concernent, donc de ces données personnelles, on n'oublie jamais que c'est un être humain derrière et qu'il a droit à de la dignité et que ce n'est pas une masse d'informations, que ce n'est pas un dossier, que ce n'est pas un numéro, que ce n'est pas un chiffre. Monsieur Gadis, vous avez évoqué la Convention 108. On pourra aussi évoquer le RGPD, la Réglementation générale pour la protection des données, qui est le standard européen et peut-être un des standards internationaux les plus réputés en la matière. Pensez-vous que ces standards, ou ce standard en particulier, est applicable dans les pays du Sud ? Ça revient à la réponse que j'ai donnée en premier. Vous parlez de l'RGPD. L'RGPD est indiscutablement la norme la plus évoluée en matière de protection des données. Estelle est là, elle vit en Europe. Je ne lui poserai pas la question s'il y a des problèmes à pouvoir assurer cette application et cette intériorisation des normes du RGPD. Mais moi, je peux la donner, la réponse. L'Europe, depuis à peu près 4 ans, souffre à appliquer les normes du RGPD, indiscutablement. Ce n'est pas évident du tout. Alors, si l'Europe, ça fait 40 ans qu'elle cravache à se mettre en conformité aux normes et à faire évoluer les normes avec le RGPD, avec la 108, la 108+, donc sa modernisation, vous pensez, nous qui nous nous sommes mis à cette protection en 2004-2010, donc il y a quelques années, il y a beaucoup d'États, ça fait même pas 10 ans qu'ils se sont mis à la protection des données, je pense qu'il va falloir donner du temps au temps. Voilà, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, il n'y a pas de baguette magique. Je ne pense pas qu'on puisse changer les mentalités, qu'on puisse changer les manières de faire de manière très rapide de toute une société sur ces questions-là. Vous évoquez la question du temps qui est très importante dans le fait de créer une culture de protection des données, une compréhension aussi qui est différente selon
selon les pays, même à l'intérieur de régions, vous parliez de l'Afrique, mais au sein de l'Europe, c'est un petit peu la même chose. Si vous demandez à une personne en France et en Allemagne ce qu'elle entend par la vie privée, les réponses vont être très différentes, et c'est des choses importantes à intégrer également dans nos cultures, ce qui prend du temps. En revanche, ce qu'on voit évoluer assez rapidement, c'est des développements en matière d'identité numérique, des débats qui avancent très, très vite. Et donc, je voulais orienter un petit peu la discussion vers ce point qui a un lien très important avec les questions de protection des données, puisque qui dit identité numérique dit données au final. Je vous remercie d'avoir souligné le point, forcément aussi de répéter, quand on protège des données, on protège la dignité d'une personne et la personne derrière. Et donc, dans ce contexte d'identité numérique, quel regard vous portez sur le fait de voir ces développements, en particulier dans votre région, de mesures visant à créer une tendance globale, mais aussi régionale, d'identité numérique? Alors, il faudra commencer premièrement par dire, c'est ma position et je la défends tout le temps, moi, je ne me mets pas contre l'évolution technologique, contre la numérisation et tout ce qui est en train d'être fait. Le monde change, est en train de changer, il va falloir qu'on s'adapte. Quand les précurseurs, ou en tout cas les visionnaires, disaient que dans 30 ans, il n'y aura peut-être pas les professions qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est une réalité. On le voit déjà à notre échelle, avec notre espérance de vie et les années qu'on a à vivre. On voit très bien qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, ce n'était pas exactement la même chose et qu'on ne pensait pas que l'évolution aurait été aussi rapide. Regardez ce qu'on est en train de faire maintenant. C'était impensable il y a 10 ans. Pourtant, les choses changent et il faudra en profiter, en tirer le maximum d'intérêt, de retour, je veux dire. Alors, la question de l'identité numérique, premièrement, il ne faudra pas oublier que l'identité est un droit pour toute personne. Et que si on vit dans des espaces numériques, eh bien, il est indispensable d'avoir des échanges numériques. Et donc, il va falloir créer une identité numérique. C'est d'une platitude à la limite, je m'excuse, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Je pense que l'identité numérique est nécessaire, mais je reviens à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, pour les avancées technologiques. Oui, pour tout ce qu'on est en train de créer, mais il faudra toujours penser à l'être humain. Alors, il y a des dangers indiscutablement. Moi, je pense que sur ces questions-là, il faut bien réfléchir, il faut bien discuter, il faut bien, excusez-moi le terme, ruminer toutes ces questions-là, mais ne pas se jeter dans un mimétisme aveugle, à essayer de refaire, à plaquer tout ce qui a été fait ailleurs et qui n'est pas nécessairement bien adapté à notre propre situation. C'est là où réside le problème. J'entends par exemple les gens amoureux de l'exemple estonien. Moi, je ne suis pas contre l'exemple estonien. Ça pourrait être l'exemple belge. Ça pourrait être n'importe quelle autre expérience qui réussit et qui est en tout cas très bien développé et exprimé, en tout cas présenté comme des best practices en quelque sorte. Moi, je dirais qu'il faut que dans chaque espace, on puisse analyser la situation, voir le niveau de connaissance et de culture des personnes qui vont avoir à utiliser tout cela, et par la suite mettre un cadre juridique et aller de l'avant pour indiscutablement développer une identité numérique qui est indispensable et nécessaire. Alors, par la suite, il y a des problématiques qu'il va falloir poser. En Afrique, par exemple, on est allé à l'identité numérique. Mais avec quoi ? Eh bien, avec la création de bases de données biométriques systématiques des populations, que les États gardent chez eux. Ça, on est contre. Mais on pourra en reparler, si vous voulez, plus tard. Exactement, M. Guedes. Avant d'aborder cette très, disons, épineuse question des bases de données biométriques, vous avez parlé et citer l'exemple estonien qui est repris comme modèle, et notamment en Tunisie, qui est repris comme modèle. Et on a vu récemment le ministère d'Éthique proposer, faire des workshops sur le modèle estonien et le proposer comme possible solution, comme solution qui serait implémentée pour remplacer des procédures administratives telles que la procédure pour les copies conformes ou pour la signature légalisée. Question générale, que pensez-vous du modèle estonien ? Moi, je n'ai rien contre le modèle estonien, comme tous les autres modèles. Je pense que ce sont des modèles qui ont été appliqués dans des pays qui les ont intériorisés, acceptés et qui en ont fait une réussite dans leur contexte. Moi, je dis tout simplement, ça peut être beau en Estonie, ça peut être beau ailleurs, au Burkina, je ne sais pas, je prends n'importe quel exemple.
Mais par contre, il faudrait être sûr que tout ce qui a été mis en place soit bien adapté à la réalité et à la situation des différents États. Quand vous avez une identité numérique, que vous comptez donc sur les échanges et sur toutes ces procédures qui se font en ligne, bah, si vous avez une connexion Internet qui coupe toutes les 3 minutes ou qui est instable, ça ne sert à rien du tout d'aller là-dessus. Et donc, il va falloir enlever toutes les zones blanches ou rouges, etc., mais en tout cas, où il n'y a pas de couverture nécessaire. Il va falloir connecter toute une population. Il va falloir démocratiser la connectivité, etc. Et tout cela, c'est un travail préalable à se venir dire par la suite, eh bien, voilà, on institue une identité numérique. Si l'outil, si le canal n'est pas efficace et sur lequel on ne peut pas compter, on ne peut pas s'amuser par la suite à enlever toutes les procédures papier et dire, voilà, maintenant on va tout faire en passant par du numérique. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, est-ce que cela empêche d'y travailler, d'y réfléchir, de concevoir les choses? Non, bien sûr. L'Afrique, par exemple, a travaillé sur le modèle estonien africanisé, en quelque sorte, avec le système du mobile ID, etc. Et donc, ça réussit dans certains pays, ça ne réussit pas dans d'autres. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera chez nous, mais je reste en tout cas assez, pas sceptique, non, mais attentif à voir quelle va être la manière et le process qui va être suivi pour pouvoir tout mettre ça en place de manière à être sûr d'avoir un résultat efficace. Et en parlant du modèle estonien, ceci nous ramène aussi à un autre débat ici en Tunisie, celui de la carte d'identité biométrique le souhait ou peut-être voire le vœu du ministère de l'Intérieur d'implémenter cette solution avec la base de données biométrique. D'ailleurs, AccessNow a publié bien sûr un communiqué là-dessus et détaillant pourquoi nous sommes pas d'accord, bien évidemment, contre ce genre de solutions pour tout ce qui concerne le droit à la vie privée, le respect de la dignité de l'être humain dans sa vie privée et dans son intimité. Vous aussi, vous vous y êtes opposé. Pouvez-vous nous donner de plus amples explications au détail pourquoi vous vous opposez à la solution telle qu'elle est présentée par le ministère de l'Intérieur tunisien? Non, parce que c'est une solution miracle pour n'importe quel policier, ça tombe sous le sens, pas de policier, même pour n'importe quel État. Je dirais, si tu permets, Chérif, je dirais que c'est la seule solution possible pour tout État qui n'a pas investi pour avoir un État civil fiable. C'est de là que vient le problème. Et c'est pour cela que je suis contre l'institution d'une base de données biométriques en Tunisie. Parce que nous, on a un État civil fiable depuis maintenant plus d'un siècle. Cet état civil garantit que toute personne n'a qu'un extrait de naissance et qu'il n'y a personne qui n'ait pas d'extrait de naissance. Et donc, si le départ, on peut identifier toutes les personnes sur le territoire national à travers le fichier d'état civil, par la suite, ça devient automatique de pouvoir lui donner une carte d'identité biométrique, mais où on ne garderait pas les données biométriques pour être sûr qu'il n'y ait pas une personne qui puisse obtenir 2 pièces d'identité. Puisque à chaque demande de pièce d'identité, il fournira, même s'il la perd ou l'a détruit, ou etc., avoir une autre copie, ben, il donnera les mêmes documents, c'est-à-dire un extrait de naissance. Je dirais qu'il n'a pas même à le donner, puisque normalement, ça devrait se faire avec un échange de données entre les différents services de l'État. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en Afrique. On a des personnes qui peuvent naître, qui peuvent vivre, qui peuvent mourir et qui n'ont aucune traçabilité de leur passage sur Terre parce que les fichiers d'état civil, et on travaille dessus d'ailleurs avec l'Organisation de la Francophonie et l'Association francophone des autorités de protection en ce qui concerne la mise en place des fichiers électoraux à travers les fichiers d'état civil. C'est un travail qui est très très difficile dans ces situations-là. Maintenant, ce qui se passe en Estonie par exemple, il faudra aussi mettre les choses aux différentes échelles d'État. L'Estonie, c'est 2 millions d'habitants. Est-ce que vous pouvez appliquer le même système dans un pays où il y a 50 millions d'habitants? L'Estonie, on a travaillé sur les 2 millions pour rehausser le niveau de l'informatisation et de la numérisation de la société avec toutes les catégories d'âge et toutes les tranches d'âge. Est-ce qu'on est capable de faire ça pour des pays comme les nôtres? Je ne parle pas de la Tunisie, mais je parle de pays qui ont beaucoup plus de problèmes de population, de grandes masses de population, mais aussi
de populations assez dispersées, de populations non connectées, de populations non éduquées en matière du numérique. Donc, vous voyez, je peux transposer ce truc-là avec toute facilité. C'est comme ce qui a été fait en Inde, d'ailleurs. La population indienne, on a trouvé la solution, on a dit, tiens, on va faire une base de données biométrique de toute la population, ce qui permettra de bancariser, de faire des échanges économiques, etc., de manière beaucoup plus simple, des procédures administratives. Oui, on l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je pense que l'État indien n'avait pas une idée réelle sur sa population. Et on est arrivé à quoi ? On est arrivé à 1,4 milliard d'enregistrements biométriques dans la nature. Et donc, une des grandes responsabilités d'un État qui n'a pas assuré la garantie de la dignité des êtres humains en garantissant leur identité numérique. C'est ça ce qui est grave. Ça s'est passé maintenant en Argentine, et ça pourra se passer dans n'importe... Parce que dans ces pays-là, ça a été médiatisé. Et vous pensez que les bases de données de toutes les cartes d'identité biométriques qui se trouvent sur le territoire africain n'ont pas été hackées ? C'est impossible. C'est impossible. Mais on n'en parle pas, tout simplement. Il a fallu que Snowden sorte parler de ces questions-là de piratage des bases de données biométriques, par exemple celles de l'Inde, etc. Mais autrement, c'est des choses dont on n'entend pas parler. Et donc, je dis, il faut indiscutablement, quand on a un support comme l'État civil tunisien, se passer de ce risque énorme qu'on ne peut pas contrôler et qui est celui de mettre en place une base de données biométriques et se contenter de faire ce que fait le règlement européen sur les pièces d'identité, ce que dispose la loi allemande sur cette question-là, la loi portugaise, etc. Quand on a à faire une carte d'identité biométrique ou un passeport biométrique à des citoyens, eh bien, on stocke les données dans la puce et on supprime directement ces données de la base de données, donc de la structure qui délivre ce document-là. Moi, je leur dis, regardez ce qu'a fait la Grande-Bretagne. Eh bien, elle a complètement supprimé la carte d'identité nationale parce que c'est une atteinte à la dignité d'un être humain. On ne fiche pas les personnes. Et donc, il n'y a plus de carte d'identité en Grande-Bretagne. Et sur le passeport biométrique, il ne stocke que la photo du visage, donc le portrait, et pas les données biométriques dans le passeport biométrique anglais. Ah, voilà, ce sont les best practices. Il faudra réfléchir à tout cela. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'à vouloir faire de la mimétisation aveugle, ça, même une tautologie à la limite, à vouloir... appliquer les choses les plus simples qui nous fassent arriver à des résultats faciles, eh bien, on se retrouve dans des situations inextricables, très dangereuses, irréversibles dans les dommages, avec des dommages irréversibles parce que la perte d'une base de données biométriques des citoyens, c'est terminé, c'est irrécupérable et c'est quelque chose qui a des conséquences très, très graves sur, je ne dirais pas, sur les citoyens seulement et sur les individus seulement et sur les identités de ces personnes-là seulement, sur la souveraineté des États. Quand je vous entends parler, je pense que se pose la question aussi de la responsabilité des États, notamment européens dans les exemples mentionnés, mais probablement aussi d'autres États, américains, pas seulement des États, mais des entreprises de nos pays qui viennent dans vos régions. Donc, vous avez parlé de l'Inde, de l'Argentine, de la Tunisie, mais c'est le cas dans plein d'autres pays, dans ces régions qui essayent, comme vous expliquiez au début de notre entretien, de créer cette culture de la protection des données, mais ces entreprises et ces pays européens qui arrivent avec cette culture depuis 40 ans à venir vendre un petit peu et promettre les solutions techniques, exactement. Et quel regard vous avez un petit peu sur cette ingérence d'États européens qui, à la fois, vient sous un œil bienveillant, mais aussi pousse peut-être à des changements numériques sans prendre en compte la situation locale? Oui, non, mais attention, je n'accuse pas les États européens, ils n'ont rien à voir là-dedans, les États européens. Non, ce sont les entreprises internationales et multinationales qui sont responsables de tout cela. Moi, je suis étonné, par exemple, voilà, je vais vous le dire clairement et sans vouloir choquer personne. Ce sont les entreprises qui développent ces technologies. Ben, vous savez, c'est comme les entreprises pharmaceutiques, c'est exactement la même logique. C'est des marchés potentiels. Et donc, c'est tout à fait normal ce qu'ils font. Bah, pour gagner de l'argent, bah, c'est normal. Ils vous vendent des systèmes qui vous coûteront de plus en plus d'argent pour pouvoir les maintenir.
en vous promettant tout ce que vous pouvez imaginer, en vous faisant rêver. Vous allez voir, il n'y aura plus de procédures papier, vous pourrez reconnaître tout le monde, vous pourrez avoir les informations qu'il faut sur tout le monde, etc. etc. Bah, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas quel est le décideur qui ne rêverait pas de ça. Sauf qu'il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, des personnes qui puissent donner un discours différent, de pouvoir attirer l'attention, de pouvoir constituer un système de veille, un système d'alerte, pour pouvoir sensibiliser ces décideurs à prendre la décision idoine. C'est ce que je fais depuis 2015 en Tunisie. Et depuis 2015, ce système est bloqué parce que je n'arrête pas de revenir à la charge. Maintenant, je le dis et je l'avoue, c'est quelque chose qui me réconforte dans ma position puisque Access Now est avec nous actuellement sur cette question-là. Mais je peux vous assurer qu'on est peut-être les seules voix dissonantes dans cet espace qui est la Tunisie aujourd'hui. Mais on arrive à bloquer la manière de faire ou l'orientation qui est à mettre en place. Mais, donc, moi, je n'accuse pas les États. Je ne pense pas que les États européens veuillent instituer ou mettre en place des systèmes qui ne mettraient pas chez eux en place. Mais par contre, les entreprises les dépassent. Ce sont des entreprises qui sont autonomes, qui ont leur propre logique et qui ont un seul intérêt, c'est le gain, bien sûr. Et donc, ils voudraient bien installer tout cela partout dans le monde pour avoir beaucoup plus de retours en entretien et en tout ce qui cela implique en achat de matériel et tout ce qui va avec, bien sûr. Parce que vous pensez, on a une dépendance extraordinaire. Vous dites une carte d'identité biométrique ou un passeport biométrique, mais nous, ces cartes et ces pièces d'identité, on ne les produit pas, on les achète. Et donc, vous imaginez le marché. Et après, bien sûr, c'est donner beaucoup plus de facilité pour les États pour pouvoir avoir le plus d'informations possibles. Et je pense que tous ces États-là ne cherchent pas autre chose que ça. Donc, c'est de la facilité. Monsieur Gadis, vous avez évoqué, en plus de la responsabilité des multinationales et des grandes entreprises, vous avez évoqué aussi le devoir de contrepoids et de contre-pouvoir. Notamment avec ce que vous faites en Tunisie. C'est ce qu'on fait. Dans un scénario idéal, dans un scénario où vous aurez une instance avec un meilleur budget, avec des possibilités de sanctions et de contrôle décuplé, quelle serait votre première action, votre première cible? Ah là, là, c'est une très très bonne question, effectivement. Vous pensez que si j'avais beaucoup plus de moyens, j'aurais une autre politique ou une autre manière de faire? Vous savez, je suis là depuis 2015 à la présidence de cette instance. Si j'ai demain une loi comme le RGPD en Tunisie, je ne commencerai pas par sanctionner les gens. Je terminerai à faire de l'accompagnement. Parce que les gens font ce qu'ils font sans aucune connaissance de toutes ces questions-là. Je reviens à tout ce que j'avais dit tout à fait au début. S'il n'y a pas la culture, vous allez trouver des gens qui se retrouvent devant un juge parce qu'ils ont fait un acte qu'ils ne savaient pas, contraire à la loi. Et donc, il y a de la bonne foi derrière. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant, mettre ces gens en tôle, les condamner à des millions de millimes de sanctions? Je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Et donc, je continuerai bien sûr à brandir le bâton de la sanction, mais qui sera effective, qui sera possible. Mais je continuerai à faire de l'accompagnement, c'est-à-dire les prendre par la main, leur montrer comment faire pour se mettre en conformité le plus rapidement possible et leur montrer l'intérêt pour eux, avant tout, de se mettre en conformité dans la protection de données. Donc pour moi, qui suis juriste, je vous assure, et je vous le répète, et je suis juriste depuis un bon bout de temps, je vous assure, ce que j'ai appris, et je suis à la veille de la retraite, un texte ne fait jamais le printemps, même s'il est arabe. Et donc, ne pensez pas que c'est en mettant qu'un texte qu'on va changer les choses. Il faut travailler sur la culture des gens. Il faut rentrer dans la maison des gens. Il faut leur expliquer le pourquoi de la chose. Et moi, en tout cas, chaque fois que je me suis attelé à faire cela, j'ai toujours eu un retour positif. Mais dire, voilà, on va sanctionner tout le monde, vous savez, ça peut donner des résultats. Mais je ne pense pas que toutes les autorités européennes sont en train de s'amuser à sanctionner tout le monde. Ça serait catastrophique pour toutes les économies européennes et même internationales. Bon, ils s'occupent à la grande bataille qu'ils ont avec l'espace américain,
mais avec Schrems 1, Schrems 2 et bientôt, je pense, Schrems 3, parce que c'est dans la logique des choses, tant que les États-Unis ne prennent pas la décision de devenir un espace de protection des données. Mais je pense en tout cas que ça se fera petit à petit et que les cultures changeront et que ça deviendra, c'est déjà une norme universelle. Quand il y a quand même 150 lois dans le monde, dans les différents États qui protègent les données personnelles, c'est qu'aujourd'hui, même en l'absence d'une convention internationale des Nations Unies sur la protection de la vie privée, c'est quelque chose, c'est un train qui est en marche. Et donc, il est très difficile d'arrêter les trains. Monsieur Gallès, merci beaucoup pour votre participation, pour cette conversation et pour le travail que vous faites au quotidien pour la protection des droits, non seulement en Tunisie, mais dans l'espace francophone. Et on vous remercie de votre ouverture et de votre disponibilité à discuter, que ce soit à RightsCon et en dehors. Merci à tous ceux qui ont suivi cette conversation. Ça a été un plaisir. Restez avec nous. Le programme de RightsCon continue et bonne conférence à tous. Merci à vous. Merci. And that's a wrap. Enjoy your other sessions and we'll see you later.